Bonjour à tous, je suis Jean-Benoît Morin, professeur ici à l'Université de Nice. Je vais vous présenter aujourd'hui un module sur comment on réalise un test force-vitesse lors du saut pour connaître les caractéristiques de l'athlète et surtout pour pouvoir orienter son entraînement. C'est de ne pas avoir de mouvement du tronc. Voilà, ça va presser les données. Super. Allez. Super. Je vais mettre mon zéro ici. Et je vais simplement aller mesurer la longueur de son membre inf en extension complète. Donc, jusqu'au bout des pieds. Donc j'ouvre l'application MyJump. Il m'est dit. Voilà la vidéo que vous auriez filmée si vous aviez filmé directement. Donc je la choisis. Ça, c'est un aspect intéressant de MyJump, c'est que vous pouvez par exemple filmer toutes vos vidéos avec vos athlètes et